Present day. Present time. Thank you.
Exploited, je suis un fan de des Specials, je suis un fan de Suzy, voilà. Voilà, etc. Je suis un fan de Hervé Villard, je suis un fan de La Souris déglinguée au Bertrand, et tout, voilà. Je suis un fan de C'est Jérôme. Bon, alors vous écrivez boîte postale combien? Je suis un fan de Karen Cheryl, vous écrivez. Rappelle-nous la boîte postale. Sur froide. Oui, froide. Oui. C'est-à-dire Télécom et Tommy Gun. Oui, c'est ça, chez Carbon 14. Oh, bah dis donc, ils sont gâtés à Carbon 14, je trouve. Dans une boîte postale, c'est la en numéro plus. 19. Boîte postale 19. Tiens, on les met n'importe où, ces deux. Une boîte postale pour nous tout seuls. 75 660. Oh, j'ai soufflé dans ma bière, je m'en fais plein la figure. Arrête de dire des bêtises quand je... Paris, c'est l'ex 14. Voilà. Oui. Et bah, voilà, tu l'as dit, bah redis-le, mais j'ai rien entendu, moi. Oh merde, oh. Boîte postale alors. Sueur froide chez Carbon 14, boîte postale 19, 75, 660, Paris, CEDEX 14. Arrive. Et vous continuez d'appeler pour le match parce qu'après la souris déglinguée proposée par Télécom, voici Oberkamp. Pour un nouveau match, Oberkamp. Proposé par Tommy Gunn. Moi j'aime bien Oberkamp, mais après je vous réserve un truc que j'aime bien aussi. Voilà. Alors, on prépare pas à l'avance là. On écoute Oberkamp. Poupée de tir, poupée de son. Mais j'aime bien aussi Oberkamp, moi. J'ai un fan. Tout est. Carbon 14, 97.2 MHz. La radioactive, bordel. C'est une poupée de cire, une poupée de sang. Sans faire graver dans les chansons, poupée de cire, poupée de sang. Et des meilleurs et des pires qu'une poupée de salon. Elle voit la vie heureuse et bonbon, poupée de cire, poupée de sang. Chacun peut la voir. Elle est partout à la fois, brisée en mille éclats de joie. Autour d'elle, elle entend rire les poupées de chiffon. Celle qui danse toutes ses chansons, bouffée de cire, bouffée de sang. Elle se laisse te séduire pour un oui, pour un non. L'amour n'est pas que dans les chansons, bouffée de cire, bouffée de sang. Ses disques sortent d'un miroir dans lequel chacun peut la voir. Voilà, pour toutes les salopes, pour toutes les salopes qui peuvent appeler pour me soutenir, pour soutenir Tommy Gunn, c'était Oberkampf. Poupée de tir, poupée de son. T'en es une aussi. Hein? T'en es une aussi. Oui, bah alors, ne reviens plus chez moi. C'est sinon, on vient de nous apprendre une grande nouvelle, c'est que le nouvel album de Certain Ratio, il était à Carbon 14, mais seulement, quelqu'un l'avait pris pour caler les meubles. Ah bah oui, pour ça fait, pour ça fait je sais pas, ça fait un mois qu'il est arrivé pour ici. Pour caler la vieille armoire. On vient de s'en apercevoir maintenant qu'il était là. Ouais. Bah ça peut toujours servir quand même. On passera peut-être un jour. Hein? Un certain ratio. Et donc, tu écoute si vous aimez bien ça. Tu demanderas Jean-Yves s'il s'y connaît. J'ai un évier de boucher chez moi. Alors si le dernier album peut déboucher un évier, ça m'arrange. Tu lui dis? Okay. Je transmets. Tu lui fais la commission. Je transmets. Alors toi tu m'as envoyé au Oberkamp. On écoute la suite de ta sélection pourrie. Oui. Alors moi tu m'as envoyé au Oberkamp. Bon, qu'est-ce que je fais? Je te réponds au premier Star Shooter. Photo. Ah, c'est trop facile. Photo j'aime bien parce que c'est comme les mecs qui sont bourrés et ils s'invitent tout seuls. Carbon 14, my love. 545 31 38. Et après, on vous passe des petites annonces. Des concerts, etc. Mal rasé avec la gueule de bois. T'as l'air vraiment paumé depuis que je suis chez toi. Quand je pense que je t'ai rencontré dans une part toute héroïque en train de positionner. Qu'est-ce que tu as à faire cette tête?
suis reconnu ce soir-là. Et puis comme par hasard, j'avais mon Minotaur. J'ai pris quelques clichés sur lesquels tu ne chauffes pas, qui intéressent pas mal de journaux aux abois. Qu'est-ce que tu as à faire cette tête-là? Comment peux-tu te laisser aller? Tu as de l'argent et tu plais aux dames. Comment peux-tu te laisser aller? Depuis que j'habite chez toi, tu fais la gueule. À cause de quelques photos de toi, tu m'en veux. Allez. C'est pas un nouveau groupe, c'est pas Oberkampf, mais Star Shooter. Ça pétait dans le temps. Hein, ça c'était du bon quand même. Hein. Moi j'aime bien le dernier quand même. Alors on a dit qu'on faisait les petites annonces là. Alors, ouais, toujours... alors attends, on leur rappelle quand même que s'ils veulent voter. Hein, il y a eu un appel pour toi là tout de suite, hein, j'ai entendu en passant, en revenant des chiottes. Qu'est-ce qu'il y a eu? Des chiottes. Qu'est-ce qu'il y a eu? Un appel pour toi. Ah, encore un? Ah ouais. Oh c'est dingue. Ça fait 43 à 2. Pour moi. Ah non, tu te trompes. Hein? Moi j'y peux rien. Hein? Hein? J'y peux rien avec ma programmation d'enfer, tu n'as aucune chance. Ouais, bon, enfin sinon, fait. Les petites annonces. Les Hémorroïdes. Les Hémorroïdes, c'est un groupe plutôt punk. Ils cherchent un batteur. Ils cherchent un batteur, bravo. Voilà. Et si vous êtes batteur ou si vous voulez devenir batteur, il n'y a peut-être pas besoin de savoir très bien jouer. Si vous avez le feeling ou je sais pas quoi, ouais, ou la pêche. Punk, vous avez 45 ans, si vous êtes punk, aveugle. Si vous avez une bonne touche ou n'importe quoi, vous appelez demain le 547-6503 si vous êtes batteur. 547-6503. Voilà. Alors à part ça. Vite, on continue le matin. À part ça, on dit bonjour à Laurence de Fréquence Gay. Coucou. On viendra te voir. Voilà. Allez, ça y est, c'est fait, on a dit bonjour. Ouais. Les concerts, le 8 et le 9, au Rose Bonbon, j'ai nommé. Venise. Venise, et ouais. Et le 8. Venise. Et le 8 quoi? Le 8, c'est gratuit. C'est gratuit. On ira, on va y aller nous. Voilà. Sinon, le 8 et le 9 également au Rex, au sous-sol du Rex, là où on était tout, cet après-midi. Pour l'interview de Bosch Tetraz, il y a Idéal, voilà. Youhou au sous-sol du Rex. Voilà. Sinon, le 10 avril, il y a les Noids à Gonesse. Ah. Ça, c'est dans la banlieue. Gonesse les Gonzesses, d'ailleurs. Ça, sinon, le 10 et le 11 à Bourges, il y a le festival, il y a plein de bons groupes. Il y a Orchestre Rouge, Duruti Colonne, Cure, Little Bob Story, Blues Band et Star Shooter qu'on vient d'écouter. Bravo, Star Shooter. Bravo. Ils seront le 10 à Bourges, donc. À Bourges. Et le 11, si vous êtes le 10 à Bourges, vous restez pour le 11 parce qu'il y a Opposition. Opposition, on les connaît bien, c'est les copains à nous. Et d'ailleurs, ils passeront un feedback en direct et on sera là. Bientôt, ils passeront un feedback. On y voilà. Va. D'ailleurs, bonjour à Bernard Lenoir qui nous écoute. Oh putain, il nous écoute tout le temps. Il nous écoute tous les soirs. Allez, salut Bernard. Salut Bernard. Et avec Opposition, donc bientôt dans feedback, il y aura Cast Product et Tuxedo Moon. Voilà. Voilà, sinon le 9 et le 10, il y a les Timides au Gibus. Le 9 et le 10 avril, les Timides au Gibus vers minuit. Voilà. On y sera aussi, on se dédoublera, comme on est deux, ça va. Voilà. Le 11, il y a Chrysalis. Okay. Là, il y a Chrysalis au Gibus le dimanche de Pâques vers minuit avec un groupe anglais en première partie. Il nous invite. Le 6, encore ce soir, il y a Bush Tetraz, vous avez le temps d'y aller, vous écoutez jusqu'au bout, vous jusqu'à minuit et quart, sueur froide. Ouais, et vous courez après. L'emmerdant, c'est que vous ratez Jean-Yves, mais tant pis, vous allez voir Bush Tetraz au Rex. Ils ont entendu l'interview au début et une seconde partie de l'interview à la fin, voilà. Si on a le temps. Et sinon, le 13 avril, il y a le Krat Milk à Palikao. Au Palikao. Ça coûte 20 francs et c'est en première partie avec les Coronados. Les Coronados, c'est un très bon groupe, on les connaît pas, mais le nom nous plaît. Ouais. Le Krat Milk, c'est très bien, on connaît bien Nina. Ouais. Coucou Nina. Ça va Nina, la chanteuse? Alors, bonjour à Bernard, bonjour à Laurence, bonjour à Nina. Et maintenant on écoute un disque de ma sélection. Ouais. La sélection de Tommy Gunn dans Sueur Froide. Alors, Carbon bien, 14. Écoutez bien si vous ne voulez pas. 97,2 MHz, tais-toi. Et voici les Undertones. Teenage Kicks, une chanson. Branlons-nous en cœur en écoutant Teenage Kicks. Écoutez bien Undertones, après moi je vous envoie un truc vachement meilleur. Attendez, Undertones, yeah.
Undertones, vous pouvez compter sur moi, c'était une sélection Tommy Gunn, c'était Teenage Kicks. Oh, enfin, nous on est chine en sueur froide parce qu'on a le dernier 45 tours des Undertones et il faut qu'on passe le premier encore. Oh, ouais, c'est dur. C'est Teenage Kicks, enfin tant pis pour nous. C'est dur. Enfin, tant pis pour vous, surtout nous on le connaît. C'est celui que je préfère en film aussi. Lequel, le premier ou le dernier? Oh, celui qui vient de mettre, alors ça m'ennuie puisque. Beautiful Friend? Tous les disques que tu mets, c'est des disques que j'aime bien, alors c'est dur d'être plus fort que toi évidemment. Ah non, tu fonces le problème. Enfin. D'ailleurs, ce choix là, c'est un peu dur quand même pour vous de choisir, parce que c'est un peu tout le temps le même genre de musique. Mais enfin, si vous préférez ma voix, vous téléphonez pas moi. Pour, oh, mais t'es vachement avantagé, toi. Pour Tommy Gunn. Hein? T'es vachement avantagé, toi. Eh ben, trafique ton téléphone, merde. Alors, tu crois que fais quelque chose. Et tu crois que c'est marrant de téléphoner de Madrid? Et tu crois que c'est marrant d'être tout seul dans le studio de Carbon 14 alors que toi, tu es dans ton harem, comme tous les jours? Ouais, hein. Mais moi, écoute, nous, je suis à Madrid, rien, là, hein. J'ai failli me faire intoxiquer à coup d'huile. D'huile frelatée, bon, bah, moi, c'est pas facile de faire des programmations. Carrément. Hein? La vaseline d'Espagne, eh ben, écoute, non? C'était de la vaseline d'Espagne. T'as mis les Undertones. Hein? Hein? Ouais, j'ai mis Undertones. Tu veux que je te réponds? Carrément, ouais. Theater of Fate, do you believe in the West World? C'est quoi, c'est un 45 tours, ça? C'est un 45 tours sur la platine de droite. Vous êtes sur Carbon 14 et vous allez nous écrire à la boîte postale dont on vous rappellera le numéro, les petits chéris. Yellow sun was setting in.
Alors comme ça, on ne veut pas appeler pour Theater of Hate, on ne veut pas appeler pour Parachuteur, LSD, la Tour des Glingués, Gun Club, les Decanis et les Sex Pistols. Vous n'êtes une bande d'enfoirés et plus jamais, vous m'entendez, je ne vous passerai une telle musique. Atomy Gun, tu veux les auditeurs pour toi? Je te pisse dessus. Tu me quoi? Pisse dessus. Pisse dessus, c'est ça que t'as dit? Ouais. Ouais. De toute façon, je les connais bien, les mecs qui téléphonent pour toi, c'est une bande d'enfoirés. Viens m'attendre là si tu veux, tu vois. Je vous fais. Viens m'attendre. Ouais. Voilà. Et je te retrouve demain, connard. Voilà. Je t'attends, mon pote. Pauvre cloche, va. De toute façon, comment tous les auditeurs de Carbon 14 sont des super merdeux. Voilà. Ouais. Voilà. De toute façon, moi je devais leur mettre un petit truc super après, mais je la mettrai pas, voilà. Eh ben on le mettra pas, et on mettra mes disques, et on mettra entre autres parmi mes disques. Après ton petit 45 tours pourri qu'on aura oublié dans, disons, deux semaines, à la limite, trois semaines, on les aura oubliés. Voici une version... S'il y a quelqu'un de bien, quand même, merde, qui l'appelle au 545-31-38, qui se manifeste, il y a sûrement quelqu'un, quand même. Mais ils écoutent pour moi, t'as pas encore compris ça, vraiment. T'as vu le courrier, pourtant. De toute façon, ouais. C'est fini, hein. Je ne retournerai plus jamais à Châtillon dans ton appartement. De toute façon, avec tout ce que t'as cramé, vidé déjà... je ne te souhaite pas de revenir, vraiment. Bon, je leur laisse une dernière chance. T'es pas attendu. Je leur laisse une dernière chance. Et t'as pas de chance parce que maintenant, c'est les dragons. On nous l'a demandé hier en plus, voici un extrait des Parfums de la Révolution. Ouais, tu vas encore mettre Anarchy in the UK. Encore une version d'Anarchy in the UK, mais une version. Par les Sex Pistols. Mais une version chinoise cette fois. Tais-toi, on écoute Anarchy in the UK. Des faces de citron. Yeah! Alors c'était les dragons, Anarchy in the UK. Alors voilà, je vous mets plein de bons disques. Je te crache à la gueule. Et il y a des pauvres petits cons qui appellent pour ce foutu télécom. Eh bien non. Alors je vous préviens, si vous continuez à appeler pour télécom, demain on vous fait un récital Lego Goes. Elles ont vendu 1 million de disques et je pense que vous en êtes digne vraiment. On va vous passer l'album en intégralité. Si tu fais les gogos, moi je te baillonne maximum... et je te séquestre dans ta pioule. Je me ferai un maximum d'écoute, n'empêche. Mais alors que aujourd'hui, écoutez, aujourd'hui j'essaye de vous passer un maximum de bonne musique. Et je te signale que tu viens de passer. Et vous appelez pas pour Tommy Gunn, vous pourriez appeler, vous citez bien.
ne confondez pas surtout. Ah voilà, j'ai compris. Ils ont confondu. Eh bien non. Tommy Gunn, c'est celui qui a la belle voix. Oui. Est-ce que j'ai le droit de répondre à ton dragon? Et Télécom, c'est la voix nasillarde et oui, tout. Nasillarde dans le téléphone. T'as passé les dragons? T'as passé les dragons? Moi, j'ai passé les dragons. Et bien moi, j'ai le droit de répondre. Et j'assume. J'assume les dragons. J'ai le droit de répondre. Alors écoutez, les quelques personnes qui ont appelé pour moi, vous continuez à appeler au 545-3138 parce que je vous mets un Varum Joe, je défends les couleurs françaises avec Commando, la reprise des Ramones. Voilà. 545-3138 pour Tommy Gunn et pour les dragons. Et je te repisse. Tu fais enculer. Arrête, j'aime ça. J'avais oublié. Vietnam. From old China to Israel, Commando in Boston. They do their best, they do what they can to get them ready for Vietnam. Good God, yes! Good God, yes! Good God, yes! Be nice to the morning. Good God, yes! Good God, yes! Good God, yes! Good God, yes! It's good God, yes! They do what they can to get them ready for Vietnam. From old Nano to Israel, Commando in Boston. They do their best, they do what they can to get them ready for Vietnam. For sure, yes. Good on God, Germany. Good on God, yes. Be nice to Germany. Good on God, yes. Don't talk to Germany. For sure, yes. Voilà, vous avez envie de 1, 2, 3 ou 4 disques, voilà. Vous écrivez vite à la boîte postale qu'on vous en parlera tout à l'heure, comme ça dans 15 jours, enfin une petite semaine ou ne serait-ce que quelques émissions spéciales grand public, c'est-à-dire que vous écrirez et on vous passera vos disques, voilà. Ça c'était mon Varum Joe, c'était le Varum Joe, rien que pour moi et rien que pour vous, et voyons ce qu'ils veulent nous proposer, ce minable moi, de Tommy Gunn. Face au Varum Joe, je propose les Fleshtones, qui seront en concert le 15 avril avec les Dogs au Palace. Les Fleshtones, c'est super, on écoute The Drag. Ah ouais, putain, il y aura les Dogs extrait de l'album. Allez-y, il y aura les Dogs en première partie. Nous, on y sera en tout cas. Ah, ouais. On attend les places. Ouais, on en y sera. Première partie des Dogs, mieux que les Fleshtones. On l'a déjà dit. Non, c'est pas mieux. Allez, vas-y, envoie-le ton Fleshtones. Et vous allez voir ce que je vais répondre après. Ah, crève. Ah, il répond rien là.
Non, ta gueule, ta gueule, ta gueule. Allez, je vous préviens les mecs, c'était les Fleshtones. Alors si vous continuez pas d'appeler pour Tommy Gunn, vite que je rattrape ce retard assez maigre quand même. Ridicule. Je vous préviens la semaine prochaine, Télécom fait l'émission tout seul et sa télépathie bidon, ça m'étonnerait que ça marche longtemps. Alors vous êtes prévenus. Alors donc, s'il y a personne dans le studio, non, Télécom est non, paumé. Je suis beau joueur. Oui, hein, t'es beau joueur. Tu, allons-y. Tu m'as proposé les Fleshtones. Ouais, exactement. Bon, alors avant de dire aux auditeurs ce que je vais répondre, d'abord, je veux dire que, bon, éventuellement, pour faire des émissions de chez vous, hein, avec un tunnel et un téléphone, je suis toujours au 545-31-38. Mmh. Et que, d'autre part, on va organiser un jour une grande fête sur froid, on ne sait pas encore où. Ah ouais, au fait, la fête à Bobo, là, c'est annulé pour samedi, parce que, je sais... enfin, on vous rappellera, mais pour l'instant... Mais ça sera sans doute le samedi d'après. Voilà. Pour l'instant, c'est annulé pour ce samedi, mais on vous tiendra au courant. Parce que Tommy Gunn a eu peur, enfin, bon... ça m'embêtait de passer il une semaine. Il n'a pas eu son baptême du feu, encore avec les serres. Donc, on a eu des appels des renseignements généraux dès hier soir, alors ça nous embête quand même. Ouais. Alors bon, tant que c'est encore ça dans vos têtes, c'était des Fleshtones. Et je rigole. Pauvre con, va. Je vous réponds avec Public Image Limited, un morceau qui s'appelait sur le premier album, puisqu'on passe beaucoup de premiers albums, Public Image. Voilà, à vous, monsieur Johnny Lyndon. Ouf. Et coucou les appels pour Télécom au 545-31-38. Tommy Gunn alors. J'espère que vous avez... Ta gueule. J'espère que... Ta gueule. C'est... Tous les jours. C'est Bain Douche qui parle, là. Viens là. J'ai mangé ton autre. C'est comme Tommy Gunn. Ah, dis donc. Oui. Alors, tu t'occuperas de ton chien un autre jour. Hein. Tu t'occuperas de ton chien un autre jour. Bon, d'accord. Merci pour lui. Merci pour les auditeurs. Bon, donc, dernier vie, c'était mon Public Image Limited. Voilà, j'espère que vous avez une fois de plus voté pour moi au 545-31-38. Il n'est pas trop tard, vous pouvez continuer à me donner des voix au détriment. Ce n'est plus la peine, Tommy Gunn a une avance tellement importante que... Bon, ça ne m'étonne pas. Je suis vraiment désolé, mon cher Télécom. Bon, mais, on essaie de prendre un petit peu de temps, là, parce que c'est vite les fait, on a un petit peu de retard. On vous donne tous rendez-vous demain soir pour un sueur froid, encore plus froid que toutes les sueurs froides que vous avez jamais connues. Voilà.
Et on vous donne la deuxième partie en attendant le fantastique Jean-Yves Lafesse. On vous donne la deuxième partie et la fin, le final de Surfroid avec l'interview exclusive des Busted Toys accordée à Carbone 14. Voilà. Oui, Carbone 14. Télécom et Tommy Gunn. Et on vous dit au revoir. On vous dit bonsoir, au revoir. Bonsoir. Allez, salut. Tommy. Tu reprends les pattes? Non, j'ai plus faim, ça va. Alors, je vous téléphone là. J'aimerais bien avoir la ligne directe directement sur le. Sur le standard, parce que je crois qu'il serait possible d'avoir une interview exclusive de Busted Trace qui passait au cinéma. Comment ça s'appelle déjà, Tommy? Elle passe au Rex, au Rex. Ta gueule. Et essayez donc de nous brancher sur la ligne, la directe, on va voir ce que ça donne. Allô, mais recevez-vous correctement, Carbone 14, c'est bon? Allô? Allô? Ah, c'est presque bon, allez-y, continuez. Oui, non, la ligne est presque bonne. Je pense qu'on peut peut-être entamer le. Allez, Busted Trace sur ta ligne. Les Busted Trace sur ta ligne, on peut peut-être entamer cette interview exclusive de Carbone 14. Alors, Tommy, est-ce que tu as d'abord, devant ces ravissantes demoiselles, parce que ça sont donc deux, est-ce que tu as une question à leur poser? Une question phallocratique et disons. Osée. Non? Bon, ça commence très mal. Ça commence vraiment très très mal. Alors, Busted Trace. Excuse me, you are in France now. You want to have an interview with Carbone 14. Tu peux traduire, Tommy? Busted Trace. Where are you from? We are from America. And we are very glad to be in the studios of Carbone 14. Yeah. Oui, bonjour, ça va? Alors, vous avez sorti combien d'albums pour l'instant? Peut-être qu'il faudrait traduire ce qu'elles ont dit juste avant, non? Ah oui, 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 excellente idée. Eh bien, qu'est-ce qu'elles ont dit? Je crois qu'il était tout simplement question qu'elles elles étaient... Elles sont d'Amérique du Sud. Oui. Elles se sont exilées face à la répression qui sévissait dans leur pays, qu'on n'aimera pas parce qu'ici, nous ne faisons pas de politique. Pays d'ailleurs où, il faut le dire, on torture facilement les gens à coups de cactus, hein, d'après ce qu'on nous a dit dans le dossier de presse de Bostraz. Tommy, donc, tu vas peut-être quand même lancer la première question, disons, grave et sérieuse à Busted Trace, ok? I am very famous in America. Madame Tetraz. Donc, très bonne question, Tommy. Tommy demande d'ailleurs, parce que Tommy n'aime pas tellement Busted Trace, et il est plus préoccupé par, sa popularité aux States, que par la popularité des Busted Trace in France. Alors, on va donc après cette question, on va leur poser la question, savoir si Tommy Gunn est... Non, pas de café pour moi, s'il te plaît. Do you want any coffee or something else? Yeah, some tea. Ok, tu peux donner du thé, s'il te plaît. Tommy, je crois que ça leur fera plaisir. Alors, elles vont répondre. C'est gazeux. Oui. We were in France about 2 weeks. And, what a noise! Oh, we're in France for 2 weeks now, and Tommy Gunn is, I think, the best man in South of United States. Tu peux traduire, Tommy, peut-être que je crois que ça fera plaisir aux auditeurs. Je voudrais savoir, is it true? Ah, excuse. Il vous demande si c'est vrai. Ah, je vois qu'on fait signe, je crois que la guitariste qui s'appelle Pat Place, là, qui faisait partie des Contortions avec James Chance, je crois qu'elle peut parler anglais. Pat Place. Pardon, veuillez bien m'aider. Is that Pat Place? It is Pat Place, P-L-A-C-A. Bon, vous la fermez, bah, je t'étrase. Écoutez, vous êtes dans une émission qui déménage et je crois que vraiment vous n'avez pas votre place. Moi, je propose, qu'est-ce que tu leur sers après le thé? Comment ça, je n'aime pas les pâtes? Trop de suite. Oh, what? What? What?